les atteintes aux valeurs fondamentales de l'Union européenne et de la République ne resteront pas impunies et nos nations ne seront jamais, jamais des sanctuaires pour les terroristes. La coopération internationale est une condition essentielle de l'efficacité pour réussir la lutte contre ces terroristes mobiles. Il s'agit de manière très concrète de prendre des mesures pour améliorer la circulation des informations entre nos services de renseignement, d'accentuer en tout point de l'Union européenne la détection et la surveillance des réseaux terroristes, aux frontières de l'Union également, dans les gares et dans les aéroports. Cet attentat terroriste démontre à quel point nous sommes face à une menace collective pour laquelle nous devons, avec détermination, conviction et sans faillir, renforcer les coordinations, en faire de vraies priorités de politique de sécurité nationale, de vraies priorités de politique de sécurité européenne.